Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre bien-aimé, le docteur Silas du groupe Jésus revient. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour votre vie. Depuis un certain moment, nous avons commencé des enseignements sur des sujets très, très précieux de la sainte doctrine, des choses cachées que beaucoup ne comprennent point et que les théologiens, les philosophes, tord le sens afin de falsifier la parole, d'enseigner un autre évangile. Mais par la grâce de Dieu, cet après-midi, nous allons revenir encore sur le mystère caché de tout temps que nous avions abordé la dernière fois. Et cette fois, c'est la deuxième partie du mystère caché de tout temps. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Le mystère caché de tout temps. Lisez-nous Colossiens 1, le verset 25 à 26. Colossiens 1, le verset 25 à 26. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Colossiens 1, le verset 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Gloire à Jésus, Christ en nous, l'espérance de la gloire. La parole étant le mystère caché de tout temps. Et la dernière fois, nous avons compris beaucoup de choses sur le mystère caché de tout temps. Nous avions compris que Dieu, il est l'éternel. Et avant la création des choses visibles, Dieu avait l'idée dans sa pensée, c'est-à-dire la pression de Dieu avait déjà organisé tout dans sa volonté pour les accomplir dans le visible. Et Dieu a voulu créer toutes choses. Alléluia, pour que toutes choses existent. Et alléluia. Et toutes choses ont existé par la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 1, le verset 1, « Quoique au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et rien n'a été fait sans la parole. » Ce qui prouve que toute la création a été rendue possible par la parole. Ce qui montre que la parole a été l'élément indispensable de la création. Or, Dieu était dans l'invisibilité, sa pensée avait conçu les choses, dans la pensée, dans sa présence, dans sa volonté. Mais ces choses ne peuvent pas être exécutées visiblement s'il n'utilise pas la parole, parce que la parole déclare les choses qui sont invisibles dans la pensée de Dieu, afin que ces choses arrivent à l'existence. Alléluia. Donc, la parole étant Dieu lui-même, Dieu sort de son invisibilité, de son éternité, lui-même, en engendrant la parole. La parole qui a été engendrée fait quoi? Elle est l'élément par lequel Dieu lui va ordonner aux choses qui sont invisibles dans sa pensée pour que ces choses arrivent. Et ce n'est pas la parole qu'il a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas la parole qu'il a tous créé. La Bible dit dans Psaume 42 que avant que les montagnes ne fussent nées et que toutes choses ne soient créées, il est le Dieu d'éternité en éternité. Donc, à la création, sa parole était un élément vraiment qui a permis l'œuvre de la création. Et c'est la parole qu'il a utilisée pour façonner l'homme plutôt à son image. Faisons l'homme à notre image. C'est la parole qui le fait. Et la parole rend possible la volonté de Dieu qui est dans sa pensée. C'est-à-dire Dieu était dans sa pensée, dans l'éternité, dans l'invisible, et sort de son invisibilité. Et la parole maintenant qui sort de la bouche de l'Éternel accomplit ses pensées qui étaient dans l'invisibilité
qui était éternel, afin que l'homme aussi puisse recevoir la pensée de l'éternité. C'est pourquoi l'homme, ayant été créé à l'image de Dieu, selon le livre de Genèse 1, verset 26, a reçu la nature de l'éternité. Parce que l'homme, Dieu a mis en l'homme, selon Ecclésiaste 3, 11, la pensée de l'éternité. Or, ce n'est pas la parole que Dieu attribuait cette pensée de l'éternité à l'homme. Ce qui veut dire que l'image de Dieu que Dieu attribuait à l'homme est donc l'éternité et le c'est-à-dire son œuvre dans le temps basée sur la parole. Donc, sa pensée est l'éternité. Alléluia. Et sa parole se révèle dans le temps. Et nous avons compris que Dieu avait agendé sa parole pour une œuvre de création. Et par le mystère de la piété, Dieu maintenant manifeste sa parole dans la chair afin d'accomplir l'œuvre du salut. Et c'est ça que nous parlons de la manifestation de la parole qui a été engendrée et par qui toujours a été créée, afin que cette parole ait été engendrée, qui est l'esprit de Dieu caché, soit manifeste dans le corps pour le salut, pour la liberté des hommes, afin que Dieu lui-même puisse vraiment en Jésus-Christ être élevé dans la gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ, mon frère. Donc nous allons approfondir notre connaissance dans le mystère de la piété, de caché de tout temps. Le mystère caché de tout temps. Et je vous dis toujours que le mystère caché de tout temps est vraisemblable au mystère de la piété, parce que les deux ont le même but. Le but, c'est quoi? De connaître Christ. Connaître Christ qui fait de nous son image et qui nous accorde son esprit afin de nous habiter. C'est pour la Bible dit que Christ en nous l'esprit de la gloire. Le but du mystère de la piété pour nous qui croyons en Jésus est d'avoir le Saint-Esprit et être élevé dans la gloire comme Jésus-Christ a été élevé dans la gloire. Et le but du mystère caché de tout temps, c'est lorsque nous connaissons la parole de Dieu, la parole nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu et la parole nous permet de sortir de la visibilité pour entrer dans l'éternité, l'invisibilité. Dieu a quitté son invisibilité, l'éternité, pour venir dans le temps, dans la visibilité. Et nous qui croyons à l'œuvre de Dieu dans la visibilité, nous sortons aussi de la visibilité pour entrer dans l'éternité. C'est ça la foi en Jésus qui nous donne la vie éternelle. Gloire à Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit glorifié, alléluia. Donc nous allons encore lire Colossiens 2, verset 2 à 3. Colossiens 2, verset 2 à 3. Colossiens 2, verset 2 à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Nous devons être enrichis d'une pleine intelligence. Nous, les croyants qui avons eu la révélation de Christ, devons être enrichis de l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence que nous avons eu la connaissance du véritable Dieu. Et cette intelligence nous permet de connaître Christ, la nature de Christ qui est l'éternel et lui-même qui est la parole de Dieu manifestée en chair. Alléluia. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Acclame Jésus. Mystère. C'est-à-dire Christ est un mystère dans lequel est caché quoi? La sagesse et la science. C'est-à-dire, alléluia, les hommes cherchent la science. Les hommes, oui, ils font des recherches approfondies sur la science. Les hommes approfondissent des sagesses humaines. Or, la Bible dit que la sagesse humaine est une folie devant Dieu. Nous nous présentons Christ crucifié, ressuscité, lui-même qui est le salut, salut, la manifestation de la science de Dieu révélée aux hommes, la manifestation de la sagesse de Dieu révélée aux hommes. Acclame encore Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, à cette partie, nous allons comprendre quelque chose. Parce que la Bible dit quoi? Que c'est la parole qui a fait quoi? Qui a tout créé. Rien n'a été créé sans la parole. Or, la parole est Dieu. Mais Jean 1, 1. Lisez-nous encore Jean 1, posément. Gloire à Jésus. Jean 1, 1. Je lis au nom de Jésus.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Mettez commencement. 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 Gloire à Jésus. Amen. Reprenez au commencement. Qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Regarde, parole. Non. Mettez parole ici. Voilà. Mettez deux points. Parole. Donc, avant le commencement, il y avait quoi? La parole, c'est la présence de Dieu dans sa volonté. Et au commencement, Dieu accomplit sa pensée. C'est ça, on parle du temps. Et la pensée sort de l'éternité. Dieu sort de son invisibilité, vient dans le temps, non pour la manifestation au prime abord, mais pour la création au commencement. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Elle a été d'abord engendrée avant de créer toute chose. Et lorsqu'elle a créé toute chose, elle s'est manifestée après pour pouvoir sauver l'être créé à son image. Parce que parmi toutes les créatures, la seule créature à son image est l'homme. Il viendra accomplir la justification. Il viendra accomplir la perfection de l'homme sur la terre par son œuvre à la croix et par le Saint-Esprit qu'il accorde. Mais au commencement, la pensée devient la parole. Parce que la parole accomplit l'invisibilité qui est la pensée et la mène à l'existence sans être elle-même révélée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Elle était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Dieu dont on parle ici, c'est Dieu invisible. La parole. Mais la parole est l'invisible Dieu. Ce qui montre que le Dieu invisible parlait. Parlait. Et la parole qui sortait accomplissait sa volonté qui était dans l'invisible. Donc, mais pensée et parole. L'invisibilité qui accomplit des choses visibles par la parole. Pensée et parole. L'invisibilité rend possible la création d'une façon visible par la parole. Rend possible. C'est-à-dire Dieu invisible là. Il rend possible la création par sa parole. Ou bien c'est ça? Gloire à Jésus. Amen. Rend possible la création. Allez vite parce que nous n'avons plus de temps. Gloire à Jésus. Oui. Mais la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, mais Dieu est visible. En parenthèse, pensée. Dieu est visible. On va un peu en bas. Dieu est visible.
Dieu invisible, Dieu invisible, entre parenthèses pensée, égale, les choses visibles créées. Non, attends. Dieu visible, pensée est égal à parole. Voilà. Parole est égal à Dieu. Dieu. Ou bien, efface d'abord Dieu. Voilà. Il y a parole. Parole engendrée. Voilà. Engendré. Engendré. Étant Dieu. Mais on protège Dieu. Voilà. Ou bien ce qu'on fait, nous allons mettre en Dieu. Et bien, parole engendrée, c'est mieux. Là, pour que les choses, les mêmes choses, ça soit les mêmes choses. Dieu ici, entre parenthèses, parole engendrée, c'est mieux. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, ce n'était pas la parole, même au commencement, n'était pas encore manifestée. Parce que 1 Timothée 3,16 nous montre comment cela a été manifesté. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'esprit, la parole esprit, c'est ça, non? Oui. Donc, ce n'était pas encore manifesté, mais elle a été engendrée. C'est pourquoi nous parlons du Fils de Dieu. En réalité, la parole est sortie de Dieu. Dieu a engendré la parole. L'invisible, la pensée de Dieu sort la parole pour accomplir les choses visibles à la création. Mais la parole engendrée qui est elle-même Dieu ne s'était pas encore manifestée. C'est pourquoi c'était encore un mystère. Et dans Colossiens 1, verset 6, la Bible dit que cette parole a été quoi? Cette parole-là est le mystère caché de tout temps. Parce que maintenant, cette parole a été révélée. Cette parole est révélée par Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit que la parole qui est la lumière dans Jean 1, 11 à 12, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point rejetée. Elles ne l'ont pas acceptée. Les siens ne l'ont pas acceptée. Ils l'ont plutôt rejetée. Donc, au commencement, Dieu invisible, qui avait les choses dans sa pensée pour les créer, a engendré la parole. Or, la parole est Dieu, parce que la parole, c'est l'accomplissement de la pensée de Dieu. Donc, c'est toujours le même Dieu. Un. Voilà, mais ici, un. Et ici, un. Comment faire? Mais, oui, mais fais l'effort de trouver. Il faut faire comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu visible, pensée, Dieu, parole engendrée. Pourquoi je n'ai pas dit Dieu visible? Parce qu'il ne s'est pas encore visualisé. Il ne s'est pas encore manifesté dans le visible. Alléluia. Nous allons comprendre quand est-ce qu'il a été manifesté dans le visible. Mais il était toujours esprit. La parole était toujours esprit avant de se manifester dans le corps, visiblement, au temps de la première venue de Jésus. Mais ici, c'est avant la première venue, et c'était même avant la loi. C'est au commencement, à la création. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est comme ça que Dieu avait fait les choses. Qu'il est en train de nous expliquer. Oui, c'est bon? La parole était Dieu. Oui. Ok. Verset 2. Non, c'est bon. Si Dieu engendre, ce qui a été engendré sera appelé quoi? Fils de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que c'est deux personnes? Elle est Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part, et les deux sont deux personnes distinctes? Non. Venez, voyez, Dieu. Est-ce que deux, il y a deux dieux? Non. Il dit, je ne partage pas ma gloire avec un autre. Ce qui veut dire que le Dieu invisible qui avait la pensée, c'est lui-même le Dieu qui a engendré la parole.
La parole a un but de créer et de sauver. Jésus-Christ, la parole a un but de créer l'homme à son image et de d'accomplir l'éternité dans la vie de l'homme. C'est pourquoi, lorsque Jésus était sur terre, tout homme doit recevoir la parole pour avoir l'image de Dieu. Oh, l'image de Dieu, c'est l'image du Fils de Dieu qu'il attribue d'abord aux hommes afin qu'ils aient droit à l'éternité. Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole faite chair qui permet quoi? À nous qui sommes croyants d'avoir la vie éternelle. Or, ici, le Fils de Dieu est, ici d'abord, c'est engendré. Ce n'était pas encore manifesté en chair. C'est pourquoi, d'ailleurs même, Dieu sort de son éternité et entre dans le temps par le Fils de Dieu. Dieu lui-même manifesté en chair pour venir sauver les hommes. Acclamons encore Jésus-Christ. Montrez bien l'image pour que les bien-aimés puissent la voir. Montrez bien l'image. Voilà. Là, chacun pourra noter, capturer pour pouvoir méditer. Gloire à Jésus. Maintenant, nous allons comprendre le schéma de ce mystère. Alléluia. Ce mystère vraiment profond que nous devons connaître en tant que croyants. Ce mystère vraiment important. Le mystère caché de tout temps. Qui a été caché à tous les hommes. À savoir la parole engendrée, non révélée. Parce que Dieu, personne ne peut voir Dieu. Mais Dieu engendre toutes choses. Alléluia. Lorsque la parole intervient, la parole fait quoi? La parole amène les choses invisibles de la pensée de Dieu à l'existence. Simplement, la parole témoigne la grandeur, la puissance de Dieu par la création. C'est pourquoi ce n'est pas la parole que Dieu a ordonnée aux choses qui sont dans sa pensée pour qu'elles soient visibles dans la création. Mais Dieu doit se manifester en chair afin que l'homme puisse croire en lui dans le visible et aussi par son esprit aujourd'hui qui se manifeste par ses œuvres afin d'hériter la vie éternelle. Afin que l'homme puisse avoir sa nature d'éternité. Mais l'homme ne peut pas avoir la nature d'éternité que Dieu a mis en lui. Parce pourquoi? Dieu avait donné la pensée d'éternité à l'homme. Ecclésiaste 3:11. Mais l'homme a perdu cela à cause du péché. Mais Dieu l'a fait pour restaurer sa volonté dans Genèse 1:26, qui est de créer l'homme à son image. Dieu l'a fait en envoyant son fils. Le fils qui a été engendré, c'est lui-même, ce Dieu qui se manifeste en chair, pour que ça soit la manifestation. Dieu invite de manifester dans la visibilité. Gloire à Jésus. Mais ce n'était pas encore révélé. C'est la pensée de Dieu, pas la parole, qui rend les choses visibles. C'est pourquoi nous parlons de visibilité. Mais Dieu a rendu toutes choses, lui, c'est-à-dire le Dieu invisible s'est manifesté visiblement par Jésus-Christ lors de sa première venue. Aujourd'hui, ses œuvres continuent de subsister, même s'il n'est plus physique avec nous, son esprit continue de témoigner. Le témoignage, c'est ça on appelle le témoin de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. Le Saint-Esprit attire toujours Dieu en Jésus-Christ pour que nous puissions croire en lui. Gloire à Jésus. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est l'image du Dieu visible? Qui est l'image du Dieu visible? C'est Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ est l'image du Dieu visible, c'est-à-dire le Dieu invisible ici, qui avait résolu les choses de créer l'homme à son image, de créer toutes choses dans sa pensée, c'est lui qui a engendré la parole.
Or la parole est Dieu lui-même qui accomplit les choses visibles. Alléluia. Amen. La Bible dit, il est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est égal à l'image du Dieu visible. Jésus-Christ est donc l'image de ce Dieu invisible qui a créé les choses visibles par sa parole. Mais à la création, il ne s'était pas encore manifesté en chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons comprendre quand est-ce qu'il s'est manifesté en chair. Et comment quand est-ce que le corps a été formé pour que Dieu entre dans le corps. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu parole en chair. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous comprenez? Nous allons comprendre maintenant pourquoi on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sachant que c'est lui de Dieu véritable. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Ce qui veut dire quoi? C'est lui qui révèle Dieu invisible. Ça montre que Dieu visible, c'est aussi Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu visible, c'est Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Vous prenez cette partie. 15. Il est l'image du Dieu invisible. Mm-hmm. Le premier né de toute la création. Alléluia. Premier né de toute la création. Écrit Jésus-Christ. Premier né est égal. Premier né de toute la création. Non, premier né de toute la création. Premier né. Oui. Premier né de toute la création. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est le premier né de toute la création? Sachant que c'est lui Dieu. Nous avons dit que Dieu a quitté son invisibilité. Est-ce que vous voyez? Et lorsqu'il sort de son invisibilité, sa parole accomplit les choses qui doivent être visibles. Mais nous devons savoir que le corps que Dieu devait porter, en réalité, n'a pas seulement été formé lorsqu'il était sur terre. Le Jésus-Christ, Dieu, dans l'invisible, lorsqu'il sort, la parole n'était pas encore manifesté pour que les hommes le voient. C'est ça, non? Mais il y a un mystère à ce niveau. Lorsqu'il voulait créer l'homme à son image, la parole a pris un corps invisible. Ça, c'est un mystère. Un corps pour que l'homme soit aussi à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'était pas le mystère de la piété qui était accompli. Mais il faisait cela pour préfigurer le corps qu'il devait porter. C'est pourquoi nous savons que Jésus-Christ, il est Dieu invisible depuis l'éternité avant d'être le Dieu visible dans le temps. Donc lors de la création, la parole, nous avons dit que c'est la parole qui a été engendrée, qui fait quoi? Qui a accompli les choses qui étaient visibles dans la pensée de Dieu pour qu'elles soient visibles. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Alors, Dieu était entré dans un corps visible, dans un invisible, dans un corps invisible. Mais qui devait donner à l'homme l'image du visible? Pas la parole qui était esprit. C'est-à-dire, Dieu, c'est-à-dire le corps là, ce n'était pas, le corps n'était pas lorsqu'il est sorti du ventre, non? Ah, elle dit, le temps de sa manifestation dans la chair est donc l'accomplissement de toute la préfiguration de toute chose. La visibilité de tout ce qui est invisible. C'est lorsqu'il sort de son invisibilité, toujours pour pouvoir créer l'homme,
qui a, doit être à son image, il a pris un corps invisible. Le corps doit être visible, n'est-ce pas? Mais c'est toujours invisible. Parce que lorsqu'il forma l'homme, il le forma avec quoi? Les membres. Est-ce que vous comprenez? Donc il se pose, mais comment la parole, lorsqu'il sortait, créait l'homme? La main faisait quoi? Il était un ouvrier. C'est pourquoi nous sommes ouvriers avec Dieu. Il œuvrait avec la main pour pouvoir faire quoi? Former l'homme. Mais c'est la parole qui déclare tout. C'est pourquoi l'homme, il est toujours invisible. Parce qu'il n'a pas encore révélé ce mystère. C'est pourquoi, quand vous allez voir, dans l'Hébreu dit, il est de nouveau. La parole engendrée, qui avait un corps invisible là, il introduit de nouveau. Et vous allez comprendre que, après l'avoir fait, à un moment où il s'est révélé à Abraham d'une autre manière, par l'ordre de Melchizedek, celui qui n'a ni père ni mère, le Fils de Dieu. C'était l'image. Gloire à Jésus. Mais il ne s'est pas encore manifesté, dévoilé pour pouvoir sauver les hommes. C'était l'ordre de Melchizedek. Mais ce n'était pas encore l'accomplissement du mystère de la piété. Sinon, la Bible n'allait pas dire qu'il a été vu des anges après. La Bible n'allait pas dire que c'est un mystère qui était caché de tout temps. Est-ce que vous voyez? Donc nous constatons, tandis que le corps était invisible à la création et que Dieu utilisait les membres comme une préfiguration pour créer l'homme, nous considérons toujours que à la création, c'était la notion de l'engendrement et de la création à l'image de Dieu. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir cette préfiguration. C'est pourquoi le corps qu'il avait avant toute chose, avant même de venir sur terre, s'est manifesté. C'est ça qu'on appelle la manifestation de ce mystère. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Relisez-nous cette partie. Jésus-Christ, le premier de tout temps, l'a créé. C'est-à-dire, la parole. La Bible dit quoi? Que rien n'a été fait sans la parole. Et la parole était au commencement. Donc, le premier de toute la création, c'est la parole qui était au commencement. La parole était même avant la création de toutes choses. Parce que c'est elle-même qui a participé à la création. Donc la parole qui était avant la création de toute chose était sortie de la pensée de Dieu, prenant un corps invisible pour pouvoir créer l'homme, c'est-à-dire avec les membres invisibles. Est-ce que vous voyez? Gloire à Jésus. Elle a été engendrée, mais pas manifestée visiblement à toute chair, disant voici, me voici Jésus-Christ. La parole en chair, de la même manière qu'il a été témoigné dans Jean 1. Donc, ici, gloire à Jésus. Jésus-Christ, le premier de la création, la parole de Dieu, engendrée avant même la création des choses visibles. C'est elle qui était la première, quoi, créature de Dieu, avant les choses visibles. C'est pourquoi on dit que la parole est le Fils de Dieu. Parce que elle a été engendrée par Dieu lui-même, mais pas encore manifestée en chair. Ne s'est pas encore fait chair pour le salut des hommes. Mais avait pris un corps invisible qui est l'image du Dieu invisible, mais qui ne s'est pas encore révélé. Cette image était toujours à la création. Parce que la parole déclarait les choses invisibles, la parole de Dieu, pour qu'elles soient visibles. Mais elle-même n'était pas encore en chair de la même manière qu'il était venu sur la terre pour sauver les hommes. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, Jésus-Christ, l'image de Dieu visible, la parole de Dieu, le premier de la création. Jésus-Christ, le premier de la création. Mais pas deux personnes distinctes. C'est-à-dire le Père n'est pas Papa, le Fils n'est pas Papa. C'est lui qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. La parole était engendrée, mais pas encore révélée. Mais elle s'est révélée après. Hein? Oui. Elle s'est révélée. Nous allons comprendre tout ça.
mais pour l'instant, continue. Donc, nous venons de comprendre la notion d'engendrement. C'est ça, non? Oui. Quand on engendre quelqu'un, celui qui engendre est père, non? Oui. Il y a père-fils. C'est d'où vient la notion du père-fils. Et non, deux êtres distincts. C'est toujours Dieu qui sort de cette invisibilité, vient dans la visibilité. Gloire à Jésus pour sauver les hommes. Mais avant de venir sauver les hommes, à la création, il utilise sa parole étant un corps invisible qui déclare les choses de la pensée de Dieu pour qu'elles soient visibles pour la création. Avant de se manifester en chair lors de sa première venue pour sauver les hommes. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les gloire à Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier né de toute la création. Car en lui on fait quoi? A été créé toute la chose. La parole qui est Jésus-Christ. C'est ça, non? Oui. Mettez parole est égale à Jésus-Christ, est égale à Dieu. Parole est égale à Jésus-Christ, est égale à Dieu. Parole est égale à Jésus-Christ, est égale à Dieu. Voilà. Montez encore le tableau. Parole est égale à Jésus-Christ, est égale à Dieu. C'est ça, non? Oui. Mais à la création, il était en genre. Cette parole était engendrée avec un corps invisible, spirituel. C'est ce corps spirituel qu'on appelle l'esprit non manifesté en chair. Qui avait créé l'homme en touchant le sol, en façonnant l'homme à son image, mais qui ne s'est pas encore manifesté. Et se manifestant, lui-même l'image du Dieu invisible, accordant à l'homme son image, s'est manifesté en chair à sa première venue pour sauver l'homme. Gloire à Jésus. Maintenant, continuez. En lui, en Jésus-Christ, en la parole, tout a été créé, toute chose. On a expliqué que c'est la parole, c'est lui qui, en lui, que toutes choses ont été créées, que c'est lui, par lui que toutes choses ont été créées, oui? Qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ. Tout a été créé par la parole. Gloire à Jésus. La parole. Et tout a été créé pour lui. Tout a été créé pour la gloire de Dieu Jésus-Christ. Et tout a été créé par lui qui est la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. C'est-à-dire, même, on dit que Alléluia, acclamez oui. Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. On dit que la parole, là, qui est Jésus-Christ, le premier né de toute la création, là, parce qu'il a été engendré de Dieu comme un fils, vous voyez, pour pouvoir porter un corps invisible que personne ne pouvait voir, mais qui façonnait l'homme. Il était avant toute chose. C'est-à-dire, Jésus-Christ était avant toute chose. C'est-à-dire, avant même la création, Jésus-Christ était dans l'éternité. Parce que c'est avant de venir dans la création, il était dans l'éternité. Or, à la création, c'était le commencement. Et quand nous parlons de commencement, nous voyons le début du temps. Mais ce temps, il n'avait pas déterminé le temps. Ce n'était pas le temps du salut. Mais c'était le temps de la création. Parce que Dieu sort de son invisibilité pour venir dans le temps, pour créer l'homme à son image. C'est là que l'homme reçoit la faculté du temps. Mais de l'éternité. Parce qu'il a reçu la pensée de l'éternité. Mais quelle est la faculté du temps? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est venue dans le temps. C'est pourquoi l'homme doit être à l'image de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'est manifestée en chair après. Et lorsque l'homme croit en Jésus-Christ, l'homme recevra la nature de Dieu.
Est-ce que vous comprenez? Ce qui montre que Jésus-Christ existait même avant la création. Alléluia. Mettez, Jésus-Christ, Dieu invisible, avant la création. Avant la création. Jésus-Christ, Dieu invisible, avant la création. Jésus-Christ, Dieu visible avant la création. Jésus-Christ, Dieu invisible avant la création. En parenthèse. Éternité. Jésus-Christ, parole de Dieu, engendré avant la création. Jésus-Christ, parole. Parole engendrée voilà au commencement direct. Au commencement, c'est ça, non? Au commencement. Jésus-Christ parle d'engendrer au commencement. Mais ici, paix. Paix, regarde paix. Voilà. Regarde en parenthèse. Temps de la création. Fils de Dieu. C'est ça? Il a été engendré. Le Père a engendré le Fils. Mais ce n'est pas deux personnes. C'est le même Jésus-Christ. Qui existait avant la création et qui est lui-même la parole qui a créé toute chose. C'est le même Dieu debout. Regarde, quand vous parlez là, quand je suis en train de parler, c'est ma parole, non? La parole sort, c'est ça, non? Moi-même me voici. Donc ça, est-ce que c'est deux personnes? Je fais des mouvements, mais ma parole parle. Donc c'est un seul Dieu qui se manifeste en deux. C'est-à-dire l'éternité et le temps. Fils de Dieu. Puis de Dieu, avant le ministère, non révélé quoi, aux hommes. Est-ce qu'on peut dire ou bien, c'est ça non? Que voyez-vous, qu'en pensez-vous à ça? C'est ce qu'on peut dire non? Fils de Dieu. Il était fils de Dieu. Dans les visites. Mais, non, ce n'était pas toujours dans les visites. Voilà, avant sa manifestation en chair, c'est ce qu'on peut dire. Voilà. C'est ça que vous avez dit que c'est l'esprit. Non, révélé. Ça, vous avez dit que c'est l'esprit, non? Oui, voilà. Fils de Dieu, voilà. C'est la parole esprit, en réalité. En réalité, ce fils de Dieu, en réalité, ce n'est pas manifesté. C'est la parole esprit. La conception que la parole est esprit. Mais qui est le fils de Dieu? Non encore manifesté. Donc on peut dire quoi? Fils de Dieu. Voilà. Non, c'est bon. Avant sa manifestation, écoutez ça, avant sa manifestation en chair, c'est mieux. Sinon, avant la manifestation de Dieu en chair, voilà.
C'est pas sa manifestation. Avant la manifestation de Dieu en chair. C'est pas sa manifestation. Continue. Avant la manifestation de Dieu en chair. Je vous explique pourquoi. La manifestation de Dieu en chair. Quand nous disons le fils de Dieu, comme la Trinité dit que le fils de Dieu, c'est lui qui s'est manifesté en chair. Donc pour eux, le fils de Dieu est à part, le Père à part. Et ça fait deux personnes. Il dit que le fils a quitté l'éternité. Non? On a vu que c'était le temps de la création qu'il a été engendré. Est-ce que vous voyez? Mais non encore manifesté. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc, fils de Dieu avant la manifestation de Dieu en chair. Cette parole est mieux. Parce que c'est Dieu qui se manifeste en chair, qui est le fils de Dieu dans le temps du salut. Mais ici, c'est un fils de Dieu, la parole engendrée pour la création. C'est pourquoi il disait que il disait dans Jean quoi? La parole était avec Dieu, elle était c'est quoi? C'était ça, c'était pas deux personnes. La parole était avec Dieu. Oh, Jésus-Christ était avant toute chose. Vu qu'il existait avant toute chose. Et toute chose suivie en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jésus-Christ existait avant toute chose. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque toute chose existe, c'est par lui aussi que toute chose a subsisté. Donc, vous savez, c'est lui le Dieu véritable. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas deux dieux. Ce n'est pas deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Bien-aimé, est-ce que vous comprenez? Oui. On avance parce que tout est clair. Jésus-Christ est le Dieu invisible avant la création, dans l'éternité, et il est le Père. Jésus-Christ, la parole engendrée au commencement, lors du temps de la création, pour pouvoir créer toute chose. Et là, par l'engendrement, Dieu qui est invisible se manifeste et devient le Fils de Dieu. Jésus-Christ, avant sa manifestation en chair. Est-ce que vous comprenez? Mais en ce moment, ce n'est pas encore le temps du salut, mais c'est le temps de rendre l'homme à l'image du Fils de Dieu, à l'image de la parole. C'est pourquoi dans Romains 8, vous allez voir qu'il est dit clairement que nous recevons l'image du Fils de Dieu. Or, voici l'image du Fils de Dieu qui est la parole, qui a tout fait, qui a tout engendré. Et c'est cette parole qui est venue en chair pour pouvoir attribuer cette image à l'homme par la foi en Jésus-Christ. Acclamons encore Jésus. Donnez les images et nous allons effacer le tableau. Et montrer aussi aux bien-aimés qui nous suivent. Photographie. Acclamons Jésus pendant ce temps. Gloire à Jésus. Le mystère caché de tout temps. On voit le temps avant la création qui est l'éternité. Et le temps de la création qui est le commencement. C'est tellement très simple. Et c'est le même Dieu Jésus-Christ. Nous allons comprendre maintenant. On va sauter pour aller vers Michée 5, le verset 1. Avant de revenir vers les autres versets. Et vous allez comprendre quel clair. Lisez-moi Michée 5, verset 1. Michée 5, 1. Oui. Et toi, Bethléem et Ephrata. Reprenez avec autorité et puissance. Et toi, Bethléem et Ephrata. Petite entre les milliers de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens. Alléluia. Au jour de l'éternité. Acclamez Jésus. Reprenez encore. Attendez. Pour que tout le monde, on soit tous prêts. Voilà, reprenez. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Sortira pour moi. Qui a de le parler? L'Éternel. Alléluia. Amen. Oui. Qui dit que de Juda, qui est en Israël, sortira, oui, pour lui, hein? Celui qui dominera sur Israël. Celui qui dominera sur Israël, mettez domination. Alléluia. Amen. Celui qui dominera sur Israël. Domination,
celui qui est encore revenu. Mettez ici en parenthèse celui qui. Le même celui qui qu'on a vu dans le ministère de la piété, qui a été manifesté, Dieu, qui s'est manifesté en chair. C'est lui-même encore celui qui dominera en réalité. Acclamons encore Jésus. Parce que le mystère de la cachette de tout temps a été révélé pour que l'on rende gloire à Jésus. Et nous qui rendons gloire à Jésus dans notre adoration, pouvions aussi entrer dans sa gloire. Oui, domination. Reprenez cette partie. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte. L'origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, maître. Temps anciens. Aux temps anciens. Quels sont les temps anciens? L'éternité. L'éternité et le temps de la création. Acclamez Jésus. Non. Attends, la parole est esprit et vie. Peuple de Dieu, venez à la sainte doctrine. La sainte doctrine est tellement claire et vous libère du voile de l'ignorance. La sainte doctrine vous libère des raisonnements. De la chair. La sainte doctrine vous libère des pensées théologiques. Et la sainte doctrine vous libère de la Trinité, la fausse doctrine de la Trinité. La sainte doctrine vous libère de la doctrine de la distinction. Et vous affranchit, vous montre qu'il y a un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Père lui-même, qui s'est manifesté d'abord. Lui qui est éternel, qui s'est manifesté au cœur de la création, pour. Qui s'est manifesté dans la création des choses visibles, voilà, non manifesté en chair, mais ayant un corps spirituel qu'on appelle le Fils de Dieu, non révélé dans la chair pour le salut. Et lorsqu'il est venu sur la terre, c'est là qu'il se manifeste en chair pour pouvoir sauver les hommes. Et les hommes peuvent avoir son image, l'image du Fils, par la justification, par la foi en Jésus-Christ. Donc, l'Écriture dit, reprends encore cette partie, là où on a parlé des temps anciens. Et là, on va encore de pointer toi, encore. De oui. Toi sortira pour moi. De toi sortira pour moi. Celui qui dominera sur celui Israël. Celui qui dominera sur Israël. Hein? Et dont l'origine remonte au temps ancien. L'origine remonte, mais ici. Oh. Mais ici, origine. Non, ou bien. Temps ancien, entre parenthèses, origine. Bah, non, efface d'abord temps ancien. On va mettre origine. Parce qu'il y a encore une autre. Hein. Oui. Tout est détaillé. Acclamons encore Jésus pendant ce temps. Gloire à Jésus. Domination, hein? Domination. Voilà. Origine, deux points. Et tu mets ici tiré. Temps ancien. Faites vite. Nous n'avons plus encore assez de temps. Gloire à Jésus, temps ancien. Hein? Au jour de l'éternité. Voilà. Jour de l'éternité. Jour de l'éternité. IAS. À jour. C'est parce que c'est incontable. C'est le jour. L'éternité. Toute l'éternité. Est-ce que tu veux connaître les jours de l'éternité? Est-ce que non, on peut connaître les jours de l'éternité? Amen. Alors, la Bible dit quoi? Celui de l'origine remonte aux temps anciens. Ce qui veut dire que les temps anciens sont les temps avant la création. Les temps avant le commencement. Les temps anciens sont l'invisibilité, le temps de l'éternité avant le commencement. C'est-à-dire l'éternité et le commencement. Qu'on appelle souvent le temps de la création. Le temps avant la création, c'est l'éternité passée avant la création. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Jésus. Donc, là on dit que celui, qui est celui qui? On dit dans la domination quoi? Et on dit qui dominera sur Israël. Il dira dominera sur Israël. Oui. Nous allons voir qui dominera sur Israël. Ésaïe 9:5. Lisez-nous Ésaïe 9:5. Là, nous allons voir qui dominera sur Israël. Et là, nous connaîtrons qui a été le véritable Dieu. Alléluia. La Bible dit, celui qui, dont l'origine remonte au jour de l'éternité, c'est lui qui dominera sur Israël. Qui attends, avant d'aller lire là. Qui existait avant les temps anciens? Au temps ancien. Qui existait au temps ancien? C'est Jésus-Christ. Oui. Lui-même qui est éternel avant
de se manifester au temps de la création qui est le commencement. Et c'est lui-même qui a été engendré aussi à la création comme fils de Dieu, un corps spirituel créant l'homme à son image, mais sans être manifesté en chair. C'est Jésus-Christ. Maintenant, qui existe dont son origine remonte au jour de l'éternité? Jésus. L'origine de Jésus-Christ remonte au jour de l'éternité. Parce que nous savons que c'est le temps ancien. Même avant même, la Bible dit quoi dans le livre de Colossiens 1? Nous allons lire ça. Colossiens 1, verset 16. Ou bien 17. Il existe avant toute chose. Colossiens 17. Oui. Jésus-Christ existe avant toute chose. Et toute chose se dit dans lui. Il existe avant toute chose dans l'éternité, avant le commencement. Et toute chose suscite en lui au temps du de la création. Parce que lors de la création, il a déployé toute chose. Et c'est par lui que toute chose suscite. Et c'est en lui que toute chose suscite. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Père. Jésus-Christ qui est le Fils. Parce que le Père symbolise l'éternité avant le temps de la création, qui est le commencement. Et le Fils symbolise la parole par qui l'éternité, le Père avait créé toutes choses. Et le Fils, c'est Dieu manifesté en chair au temps du salut, lorsqu'il est venu sauver les hommes. Or, le Fils de Dieu avait un corps spirituel invisible qui avait créé l'homme à son image. Acclamé Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Acclamé Jésus. Jésus. Donc, oui. Ésaïe 9:5. Voilà, Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la vie. Mettez. Fils de Dieu. Voilà, mettez. Tirez. Voilà, comme ça. Fils de Dieu. Et qui est le Fils de Dieu? Jésus. Maître Jésus-Christ. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu dans le temps, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand on dit Fils de Dieu, sachez que c'est l'œuvre de Dieu dans le temps. Père, l'œuvre de Dieu dans l'éternité. Acclamez Jésus. Et Fils de Dieu, l'œuvre de Dieu au temps de la création n'était pas encore manifestée dans la chair. Fils de Dieu, l'œuvre de Dieu au temps du salut est la manifestation du Dieu invisible d'une manière visible. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, Jésus-Christ est ce Fils de Dieu qui a été donné. C'est-à-dire, Dieu est en train de susciter un nouveau temps, une nouvelle dispensation. Le Fils de Dieu est en réalité la dispensation du temps. Ok. Fils de Dieu est la dispensation du temps. Père, dispensation de l'éternité. Or, le Fils de Dieu est la dispensation de l'éternité qui se manifeste dans le temps. Et le Père, c'est la pensée de Dieu dans l'éternité qui sort par le Fils de Dieu pour le venir dans le temps. Gloire à Jésus, Fils de Dieu, dispensation du temps. Père. Et c'est toujours le même Dieu. Elle, c'est deux dieux. Depuis qu'on a commencé à lire, est-ce qu'on a vu deux dieux? Non. On a vu deux manifestations du même Dieu, deux dispensations du même Dieu. Et c'est le même Dieu qui existe avant toute chose, mais qui crée toute chose par sa parole et toujours subsiste en lui. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ, ma mère. Nous n'allons pas cesser d'acclamer le roi des rois, le plus puissant, le Jésus-Christ, le véritable Dieu. De l'éternité. Gloire à Jésus. Voilà, reprenez Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous allons décortiquer. Un fils de Dieu, un fils nous est né. Un fils nous est. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination. Attends, fils ne sait pas nous est né. Fils nous est donné. Oui. L'enfant nous est né. Né. L'enfant nous est né selon la chair. Oui. Jésus, homme. Fils de Dieu nous est donné parce que c'est une dispensation. La dispensation n'est pas née. Elle, la parole était engendrée
maintenant qui se révèle dans la dispensation par le Fils. Or, dans la création, c'était un simple engendrement ayant un corps. Quand on dit engendrement, la chose devient à distance, mais c'est invisible. C'était un corps spirituel qui créait, parce que il a créé l'homme à son image, non. Donc il façonnait toutes choses, mais c'était plus spirituel. Et c'est pour ça qu'on dit, l'esprit s'est manifesté en chair par le mystère de la piété, aidant le mystère caché de tout temps à vraiment se manifester par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Voilà, Fils de Dieu. Le Fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur qui? L'épaule du Fils. Donc, Jésus-Christ, c'est lui. En réalité, c'est sur son épaule la domination reposera. Oui. Or, dans Matthieu 3, Jean, lorsqu'il baptisait Jésus, avait vu quoi? L'Esprit descendre sur l'épaule de Jésus sous forme de colombe. Donc la domination était en train de reposer sur Jésus. Ce qui montre que l'Esprit sur Jésus-Christ lui permet d'avoir la domination. En réalité, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous permet d'avoir la domination. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il était dans l'eau de baptême, dans Matthieu 3, Jean a vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et c'est là que la domination était en train de se reposer sur l'épaule de Jésus. Ce n'est pas la colombe qui est le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Paul. Puisque le Saint-Esprit prenait une forme de colombe pour témoigner. Parce que Dieu pouvait le faire invisiblement. Mais dans le temps de la dispensation du temps de la grâce, Dieu ne faisait pas tout simplement dans l'invisible. Parce que Dieu veut témoigner visiblement aux hommes de la nature du Fils de Dieu qui est en train de pouvoir manifester sa puissance dans la chair et parmi les hommes. Acclame Jésus. Un Fils nous est donné. La domination se pourra sur son épaule. Or, dans Michée 5:1, on dit celui qui dominera Israël. Il a reçu la domination par le Saint-Esprit. Et en même temps qu'il a été baptisé et que le Saint-Esprit était descendu sur lui comme une colombe, il reçoit la domination. Et en même temps, il va faire quoi? Il va se préparer pendant un moment de prière, de jeûne. Et il va en même temps dans le temple, il commence le ministère. Il commence la mission. Parce qu'il a déjà reçu la domination. C'est pourquoi nous, les chrétiens qui croyons au mystère de la piété en Jésus et qui avons l'accomplissement de ce mystère, nous devons aussi avoir le Saint-Esprit pour avoir la domination sur les choses visibles, étant un être spirituel. L'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, mais c'est l'homme spirituel qui juge. Acclamons encore Jésus. Et quoi, nous vous avons vu? Le Fils de Dieu nous a été donné. La domination se reposa sur son épaule. Et c'est lui, selon Michée 5:1, la Bible dit, celui sur qui la repose. Quoi? La domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule, selon le livre de Ésaïe 9:5. Et selon Michée 5:1, celui qui dominera sur Israël. Et c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Oh, la Bible dit que, en réalité, ce Jésus-Christ dans Michée 5:1, son origine remonte au jour de l'éternité. Le Jésus qui dominera sur Israël et dont la domination reposera sur son épaule, dont a parlé Ésaïe 5, en réalité, son origine remonte au jour de l'éternité. Ce qui veut dire qu'il est l'éternel avant de se manifester dans le temps. Alléluia. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Ce n'est pas lorsqu'il est venu dans le temps qu'il ira dans l'éternité simplement. Il est l'éternel avant de venir dans le temps. C'est ça, les trinités ne comprennent pas. Les trinités disent, le Fils de Dieu est sorti de l'éternité. Oui, Dieu était dans l'éternité. Il s'est manifesté dans le temps. Dieu salue. Alléluia. Mais ils disent que le Père a pas, le Fils a pas. Quand la Bible dit, oh, dans Jean 3, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique. Ils disent que le Fils unique a quitté l'éternité. Est venu sur la terre pour accomplir l'œuvre du Père. Et les deux sont les deux pères, les deux dieux, le Père à part, le Fils à part. Non. Dieu a envoyé son Fils unique, symbolise quoi? Dieu, l'éternel, se manifeste dans le temps, pas le Fils, pour venir sauver les hommes. En réalité, Jean 3, 16 là.
C'est un transfert de manifestation, de dispensation depuis l'éternité dans le temps. Dieu opérant lui-même en deux dispensations, le Père, le Fils, le temps, l'éternité, le temps. Il fait le transfert de dispensation de l'éternité au temps. Or, la dispensation est une période dans laquelle Dieu opère. Dieu demeure Dieu dans cette période. Esaïe 9:5. La domination repose sur son épaule. Hein? La domination repose sur son épaule. La domination repose sur son épaule. Mm-hmm. On l'appellera mm-hmm. admirable. Mm-hmm. Conseiller. Mm-hmm. Dieu puissant. On l'appellera Dieu puissant. On dit d'abord un enfant. Donc ça veut dire qu'il va naître. On a décrit un enfant nous aime. Donc il va naître comme Dieu va naître comme un enfant. C'est ça? Oui. Il sera donné pour le salut comme un fils. Or, le fils symbolise une dispensation dans laquelle Dieu opère pour le salut. Dieu opère d'abord pour la création, mais il opérera pour le salut. Hein? Père éternel. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Jésus-Christ. Or, le fils de Dieu symbolise quoi? Dieu en chair. Notez ça en tête. Le fils de Dieu symbolise Dieu en chair. Ce n'est pas un deuxième Dieu à part. Ou un fils de Dieu né quand on dit engendrement, beaucoup pensent que il est né de Dieu et les deux sont deux. Non, non, non. C'est Dieu qui quitte sa dimension éternelle pour entrer dans le temps. C'est ça l'engendrement. Le temps d'abord de l'engendrement pour le commencement et la création. Et le temps de la manifestation dans le temps pour le salut. C'est tellement clair et simple. Il est le Dieu puissant. Jésus-Christ est le Dieu puissant. Jésus-Christ homme est Jésus-Christ fils de Dieu. Et Jésus-Christ, fils de Dieu, est Jésus-Christ, Dieu en chair. Et c'est lui, Dieu, qui s'est manifesté dans le temps pour le salut des hommes. Acclamons encore Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ homme, c'est le fait qu'il est né du ventre de Marie. Alléluia. Mais, fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui entre dans le temps. C'est l'esprit qui entre dans le corps. Dieu entre dans en chair. Dans la chair. L'invisibilité se manifeste dans la visibilité. Oui. Gloire à Jésus. C'est quoi parfois le mystère de la piété est semblable au mystère caché de tout. Le but, c'est que Dieu caché soit révélé. Le but des deux mystères, c'est ça. Mais sur la piété pour le salut des hommes, poussant à l'élévation pour la gloire. Et la piété pour la connaissance du Christ. Mystère, la parole cachée de tout temps. Pour la gloire infaillible, incorruptible. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce Dieu puissant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est Dieu puissant, lui-même qui est le Père éternel. Gloire à Jésus. Donc, tu vas mettre le jour de l'éternité en réalité, c'est quoi? C'est l'origine du jour de l'éternité, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et tu mets ici aussi Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allons-y à Hébreu. Hébreu 1, le verset 2 à 13. On vient de voir deux dispensations. Jésus-Christ lui-même, Dieu, Père dans l'éternité, Fils dans le temps. C'est ça. Père dans l'éternité à cause de son invisibilité, donnant source à la parole pour la création lors de l'engendrement, pour être fils de Dieu, ayant un corps invisible, un corps spirituel, pour donner cet attribut à l'homme qu'il a créé, à son image, afin de se révéler au temps de l'accomplissement du mystère de la piété par Christ qui révèle Dieu caché aux hommes. Mais dans la dispensation du temps, lors de la visibilité pour le salut des hommes. Ça, nous venons de comprendre. Et nous sommes sur Hébreux 1, verset 2 à 13. Acclamez encore Jésus. Oui, nous acclamons Jésus.
Parce que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Hébreux 1. Verset 2 à 13. Oui. Nous irons par part. Donc, vous me suivez. Vous lisez, j'interprète, ainsi de suite. Par l'Esprit de Dieu. Dieu. Alors, c'est l'Esprit qui enseigne, ce n'est pas la chair. Vous l'avez compris que c'est l'Esprit qui enseigne depuis. Oui. Donc, on rend gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Oui. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, parmi lesquelles... Pourquoi? Héritier de toutes choses. Parce qu'il existe avant toutes choses, et c'est en lui que toutes choses subsistent. Donc il a reçu la gloire derrière la création de toutes choses. C'est par lui que toutes choses ont été créées. Est-ce que vous comprenez? Il est devenu le chef de toute création. Lui qui a été engendré. C'est toujours Jésus-Christ, hein, qui est l'Éternel, qui est encore le Fils de Dieu, la parole. Ce n'est pas deux pères. Nous le disons encore, ce n'est pas deux personnes. C'est deux dispensations, deux manifestations. Le même Dieu, Jésus-Christ, caché, révélé. Continue. Par lequel il a aussi créé le monde. Ah! On reprend. Dieu, ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Qui l'a établi héritier de toutes choses, par lequel il a été, il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par qui? Il a créé le monde par le Fils. Il a créé le monde par le Fils. Le Fils, ça c'est un titre. Ça pourrait dire lequel? On pouvait dire par qui? Parce que si c'était Jésus-Christ, on avait écrit, on allait savoir que c'est qui. Mais quand il dit lequel, on voit Fils. Il parle de la dispensation de la créa, du temps de la création au commencement. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous, ce verset nous montre clairement ce que nous avons développé. Sachant que c'est le Fils par lui que Dieu a créé le monde. Mais le Fils était un corps spirituel, un fils invisible, un corps invisible lors de son engendrement. Ce n'était pas encore manifesté en chair pour la révélation et le salut des hommes. Continuons. Et qui, étant le reflet de sa gloire... Ce Fils qui est Jésus-Christ, Dieu véritable, est le reflet de la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'éternité. Or, le Fils étant le reflet de la gloire de Dieu, celui qui croit au Fils aura la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Oui. Jésus-Christ est la gloire, l'éternité, la glorieuse image de Dieu. Donc, ce Fils qui a créé toutes choses, c'est lui qui est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il créait l'homme aussi, il mettait la gloire de Dieu dans l'homme. Et la gloire de Dieu, c'est l'éternité et la pensée de Dieu dans de l'éternité qu'il accorde à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, 23, tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous venons de comprendre que la gloire de Dieu, c'est l'éternité. Mais c'est le Fils qui l'accorde. C'est pourquoi Dieu l'a d'abord engendré dans le temps de la création au commencement. Acclame Jésus encore. Oui. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante. La parole est le soutien de la création. La parole est le soutien du salut. C'est pourquoi la Bible dit ta droite a sauvé. Or, nous savons que la droite avait participé à la création. Oui. Il a étendu les cieux par sa droite. C'est ça, non? Oui. C'est ça. Et il a créé le monde par sa main. Et a étendu le ciel par sa droite. La droite était acteur de la création. La droite, c'est d'abord le Fils qui crée le ciel et la terre. Et la droite est aussi le salut qui est le Fils qui se révèle dans le temps de la grâce par Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on dit il était assis à la droite de Dieu, en réalité, c'était un mystère caché pour qui? Un mystère caché pour les hommes, pour les théologiens. En réalité, la gloire de Dieu, c'est
la puissance de Dieu dans la création et la puissance de Dieu dans le salut de l'homme. En réalité, Étienne dans Actes 7, 55 était en train de faire quoi? Était en train de glorifier Jésus-Christ comme lui-même Dieu. Parce que la parole qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Or, Jésus-Christ, c'est Dieu. La parole qui a sauvé les hommes, c'est Dieu. Or, Jésus-Christ, c'est Dieu. Étienne était en train de voir Jésus-Christ sur sa position la plus élevée. Parce qu'il était souverainement élevé à cause du salut qu'il a accordé aux hommes. Parce qu'il est à la droite. Assis à la droite, Dieu vous dit, assis dans sa majesté glorieuse. Assis dans sa gloire. Sur le trône de sa gloire. Et non, assis à côté d'un père quelconque. Parce que lui-même, il est le père, il est le fils. À cause de ces deux dispensations, acclamez Jésus-Christ. Il n'a jamais changé. Malgré plusieurs dispensations, il n'a pas changé. C'est le même Dieu. Mais il se manifeste d'une manière d'une autre. C'est ça Dieu. C'est ça la divinité suprême de Jésus-Christ. En réalité, si tu comprends le mystère de la piété, et tu comprends le mystère caché de tout le temps, tu es en train de comprendre la divinité suprême de Jésus-Christ. Parce que la divinité suprême de Jésus est cachée dans ces deux mystères. Bien-aimé, prie, dis Seigneur, révèle-moi ce mystère. Je suis en train de comprendre ce mystère, mais Seigneur, permets-moi de grandir dans la connaissance. Je ne veux point me détourner de la connaissance. Parce que si nous connaissons notre véritable Dieu, nous avons le salut. Parce que la Bible dit le salut, c'est dans le véritable Dieu. Nous le connaissons et nous avons la vie éternelle en lui. Nous le déclarons que cela vienne à l'accomplissement. Parce que nous n'allons pas le connaître simplement et aller en perdition. Mais nous l'avons connu et nous le connaîtrons davantage pour aller dans sa vie éternelle qui nous a réservé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous continuons. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite. Et s'est assis à la droite, en réalité. Et s'est assis dans sa gloire. Dans sa majesté. Parce que le roi doit entrer dans sa gloire. Oh, c'est la droite. La droite. Gloire à Jésus. Oui. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenant d'autant supérieur aux anges. Qu'il a été d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Nous avons parlé de l'engendrement de la parole. Mais la parole a été engendrée avec un corps invisible qui préfigurait le corps visible et la révélation, la manifestation de Jésus-Christ de la chair, de Dieu en chair. Et il dit clairement, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Effectivement, lui-même, Dieu éternel invisible, a formé sa nature dispensation dans le temps. Et ces deux dispensations, le même Dieu. Et il engendre, nous avons compris la notion de l'engendrement. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Et alléluia. Je serai pour lui un père et sera pour moi un fils. Je serai pour lui père et pour lui fils. Pourquoi? Parce que dans l'engendrement, il y a la notion de père et de fils. Mais ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il fait l'engendrement, il doit naître un fils. C'est ça, l'œuvre de Dieu dans le temps. Le fils de Dieu. Le temps de la création. Le temps, il y a un temps avant même le temps du salut. Qui est le temps de la loi, de l'ignorance de l'homme. Le temps, en tout cas, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Le temps des prophéties aussi. Tout ça est le temps du salut. Le temps qui est le temps de la grâce que nous disons toujours. Gloire à Jésus. Alléluia. Je serai pour lui. C'est là le mystère caché aux théologiens. Et aux ceux qui disent qu'il y a trois personnes. Parce que quand on voit que j'étais engendré de lui, ils sont contents. Et ils disent que le père a part, le fils a part. Et que le père a engendré le fils. Et ils sont deux personnes. Non. Jamais. Est-ce que vous avez vu deux personnes ici? Dieu lui-même ayant créé la engendré plutôt la parole, l'a rendu héritier de toute création. C'est pourquoi c'est la parole qui a été souverainement élevée. Parce que c'est elle qui accomplit la volonté qui était de Dieu, qui était visible dans sa pensée, dans le visible.
Alléluia, gloire à Jésus, acclamez Jésus-Christ Nazareth. Oui. Et lorsqu'il l'a introduit de nouveau. Répétez-le, je serai pour lui là. Répétez sa partie. Je serai pour lui un père et il sera pour moi. Nous avons fils. Expliqué ça dans l'autre tableau. Père, fils. Voilà. Éternité, temps. Et invisible, visible. Pensée, parole, etc., etc. Gloire à Jésus. Oui. Alléluia. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Comment il introduit le nouveau du monde? Je l'ai expliqué. Il introduit de nouveau dans le monde. Le premier-né. Le premier-né était créé, mais c'était invisible. Je l'ai dit. Oui. C'était le corps spirituel qui forma l'homme à l'image de Dieu. Gloire à Jésus, pas la plus. Maintenant, il était introduit dans le monde. C'est ça, non? Mm-hmm. J'ai expliqué quand est-ce qu'il était à l'image. N'était pas fausse. C'est pas lui directement qui est Messie. Mais Messie était l'image de ce Dieu qui est la parole introduite comme un corps spirituel. Mais qui, elle, selon l'ordre de Messie, en Messie prenant sa nature comme père, lui qui n'a pas le père. Mais c'est pas Jésus-Christ directement, hein, mais c'est Jésus-Christ lui-même, cassant sa nature. Qui, parce qu'il n'est pas, il n'a pas de père ni de fils. Il se révèle comme ça. Maintenant, la Bible dit, Dieu introduit de nouveau encore. Tout simplement que Dieu avait introduit le premier né, qui est la parole engendrée. Le fils de Dieu ayant un corps invisible, non réel, manifesté dans la chair pendant la révélation du mystère de la piété, dans le temps de la dispensation de la grâce. C'est la dispensation du commencement, c'est-à-dire la création. Acclamons Jésus. Oui. Il dit. Oui. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit. Si on dit que tous les anges de Dieu adorent le Fils, qui est Dieu, parce que la parole est le Fils et la parole est Dieu. Nous savons que, en réalité, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu dans l'éternité, le Dieu dans le temps. Et c'est lui le Dieu de tous les temps. Parce que Hébreux 13, 8 va dire, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Oui. De plus, il dit des anges que celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ah, qui dit au Fils? Le Père. Ce n'est pas deux personnes, hein. Vous comprenez? Dieu dans sa nature d'éternité, Dieu dans sa nature invisible, Dieu caché, va dire quoi? Il dit au Fils que lui-même a engendré. Engendré veut dire, ce n'est pas aux créatures à part. Ce n'est pas une créature à part, mais il est le premier né de toute la création parce que c'est la semence de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui a façonné ce corps spirituel, qui est la parole de Dieu, qui est encore Dieu, qui est encore Jésus-Christ. Et il va dire au Fils, Dieu éternel va dire à Dieu dans le temps, ce n'est pas deux, Dieu dans ces deux dispensations, dans ces deux manifestations. C'est comme une conversation. Mais c'est le même Dieu. C'est de la même manière que Jésus-Christ, même sur terre, il priait le Père. Oui. Mais est-ce que c'est deux personnes? C'est de la même manière. Dieu, dans la chair, peut prier, peut parler. Le Père dit au Fils, hein? Ton trône. Oh Dieu est éternel. Ah, donc le Fils a aussi un trône. Tout ça mon cœur. Oh, la Bible dit il y a un seul trône. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur. Tout ça mon cœur, en réalité, c'est le même Dieu. C'est lui qui était sur le trône. C'est Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu. Et c'est lui qui est en train de parler. Quand, lorsque Jésus était sur terre là, c'était Dieu qui était manifesté en chair. Dieu était en chair. Donc, Dieu en chair là. Il parlait. Oh, Jésus-Christ est Dieu.
dans un corps. Donc ce n'est pas deux personnes qui parlaient, c'est le Dieu Esprit qui parlait au travers du corps. Et là on voit le corps comme d'abord avant un corps visible à la création, mais pas le ministère de la pété, c'était visible par l'Esprit de Dieu dans la chair, dans le corps plutôt. Acclamons encore Jésus-Christ Nazareth. Et il dit au Fils, ton trône est. Oh Dieu est éternel. Donc, le trône du Fils est en réalité le trône de Dieu. Dieu. Et il est éternel. Parce que dans la Bible, dans le livre de Michée 5.1, on dit que son origine remonte au jour de l'éternité. Et la Bible dit dans Colossiens 1.17 qu'il existe, que Jésus-Christ existe avant toutes choses. Tout ça, on dit qu'il existe avant même la création. Donc il était dans l'éternité, il est le Dieu éternel. Or, Deutéronome 6.4 dit quoi? Deutéronome 6.4 va dire qu'il y a un seul éternel, c'est-à-dire un seul Dieu. Et dans Isaïe 43, il dit qu'il ne partage pas sa gloire à un autre. Donc, ce n'est pas deux dieux distincts qui sont en train de parler, c'est le même Dieu qui révèle les deux dispensations dans lesquelles il opère. Oui? Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Le sceptre en réalité, c'est la domination. Le sceptre veut dire la domination. Celui sur qui la domination reposera sur l'épaule. En réalité, c'est lui qui dominera sur Israël. L'éternel dominera sur Israël. Le Fils de Dieu, qui est Dieu puissant, Père éternel. Jésus-Christ lui-même. Oui. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Oui. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Alléluia. Il pense que c'est deux dieux qui se parlent. Et l'autre Dieu Père, ou un autre Dieu Fils. Non, c'est le même Dieu qui est le Père, le même Dieu qui est le Fils. Pourquoi? Il dit, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. En réalité, l'éternel a oint le corps pour qu'on parle du Christ. C'est pourquoi, selon le livre d'Esaïe 61, une prophétie était sortie où il disait, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour annoncer aux captifs la délivrance. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur terre, il a même parlé de l'onction qu'il a reçue dans le livre de Luc 4, 18, si je me trompe, 16 à 18, en disant, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Ce qui veut dire que l'Esprit est entré dans le corps. C'est ça qui fait de Jésus le Christ. Acclame Jésus encore. Elle, c'est deux personnes. L'Esprit dans le corps. Et on parle de l'onction que le Fils de Dieu, dans le temps de la grâce, a reçu. Qui est la dispensation de l'œuvre de Dieu dans le temps, la grâce de Dieu. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, l'Esprit dans un corps. C'est ça. C'est tellement simple. Mais nous allons prier pour eux. Prions pour eux, pour que le Seigneur les libère du voile de l'ignorance. Tu vois qu'il les manque d'avoir l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Prions pour les trinitaires. Prions pour que le Seigneur les libère. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les adeptes trinitaires. Ceux qui sont priés. Ceux qui sont dans le jour de la Trinité. Ceux qui voient Dieu en trois personnes. Nous prions pour qu'ils soient libérés de leur ignorance. Nous prions qu'ils soient libérés de leur ignorance. Qu'ils soient délivrés de leur aveuglement. Nous prions qu'ils soient délivrés de leur aveuglement. Afin qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Afin qu'ils connaissent la nature de Dieu. Oh, afin qu'ils connaissent la vérité. Seigneur, libère tous ceux qui sont les théologiens. Qui font la distinction entre le Père et le Fils. Et qui n'arrivent pas à comprendre que le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Qui était dans l'éternité, dans le Père. Seigneur, libère. Libère, afin qu'ils comprennent que tu es le seul vrai Dieu. Dans deux dispensations, où le salut est en l'éternité et le temps, le Père, le Fils, l'Esprit dans le corps. Alléluia, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus, nous allons prier. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Oui? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, tu m'as oint. Il dit. C'est dans le saumon de la. Tu as une marron de joie. Oui. Il a dressé une table devant mes adversaires. Et ils ont dit ma tête. Ma divorce. En réalité, c'est Jésus-Christ. C'est la manifestation du Dieu invisible dans la chair. Saumon 23. Acclamons encore Jésus. Oui. Et encore, toi, Seigneur, tu as. Au commencement fondé la terre. Qui parle? Le Père, oui. Dieu invisible qui dit, toi Seigneur, en réalité, toi Dieu dans le temps, la dispensation du temps, Dieu, au temps de commencement, au temps de la création, qui a créé la terre? Mais comment on peut dire que, comment, donc Dieu invisible
va dire à l'autre Dieu, les deux personnes, le Dieu, le premier Dieu à part, le deuxième Dieu est diable. C'est toi le Seigneur, moi je ne suis pas le Seigneur. Celui qui a fondé la terre, je ne l'ai pas fondé. Celui qui a créé, dit à celui qui a été créé, que c'est lui qui a créé. En réalité, c'est lui le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui était dans l'invisibilité et a utilisé la parole pour créer toutes choses. Et la parole a été héritée de toutes choses. C'est pourquoi quand nous parlons, en réalité c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Personne d'autre n'est Dieu qui existe, ce n'est Jésus-Christ. Mais c'est tellement clair. Toi, Seigneur, au commencement. Oh, la Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens 1, verset 15, qu'il est l'image de Dieu invisible et le premier de toute la création. En réalité, la parole est le premier né de toute la création. Parce que ce n'est pas la parole que toutes choses ont été créées. Or, la parole, c'est Dieu. Et la Bible dit que cette parole qui a été le Fils de Dieu et un corps spirituel visible pour créer l'homme à son image, en réalité, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui le Seigneur qui a fondé la terre. Or, dans Jean 1, la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. En réalité, cela montre que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui créa toutes choses. Acclame encore Jésus. Oui. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Oui. Ils périront, mais tu subsistes. Les cieux périront tous, mais qui subsistera? Jésus. Jésus-Christ qui est le Seigneur, la parole, le Fils de Dieu engendré, manifesté en chair après pour le salut, c'est lui qui subsistera. Il subsistera pourquoi? Parce que toute chose subsiste d'abord en lui. Et lorsqu'il disparaîtra de la terre, il entrera de son éternité. Et après, la terre disparaîtra comme une enveloppe. Et il naîtra un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce que toutes choses passeront, mais la parole demeurera éternelle. Parce que tout ce subsiste en la parole. Et la parole, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Oui. Ils viendront tous comme un vêtement. Oui. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Alléluia. Mais toi, alléluia, tu restes le même. Alléluia. Et tes années ne qui reste le même. Jésus. Qui reste le même. Jésus. Qui reste le même. Jésus. Dieu dans sa manifestation visible. Pour sauver les hommes au temps de la grâce. C'est lui qui restera le même. Hébreu 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il subsiste et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose et il sera après toute chose. Et il sera le même pour toutes les dispensations, toutes les générations à venir. Dans l'éternité, il est le même parce qu'il est Dieu. Il n'a jamais changé. Malgré les dispensations qui sont opérées d'une manière ou d'une autre différente, il est le même Dieu qui n'a varié dans aucune dispensation. Ça dit qu'il n'y a point de variation. Alléluia. Jacques, quoi? Jacques. Jacques, oui, Jacques. Il n'y a point aucun nombre de variations. Il est le Dieu véritable. Acclame encore Jésus-Christ. Lorsque nous acclamons, nous sommes en train de prouver qu'il est notre Dieu. Parce que la Trinité, il n'aime pas. Parce qu'il voit Dieu en trois personnes. Il dit que le Fils de Dieu est Dieu, le Père est Dieu. Les deux sont deux personnes. Or, c'est un mystère révélé. Lorsqu'il priait sur la terre, en réalité, il faisait quoi? Comme je l'ai dit, c'est l'esprit qui était dans le corps. Il dit, le Père en moi et je suis dans le Père. Ce n'est pas deux personnes. Mais même s'il priait quelqu'un, c'est lui-même qui est dans les cieux, qui est encore sur la terre. On avait dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Jean 3, 13, c'est ça, non? Oui. Ou bien c'est ça? C'est ça, Jean 3. Celui qui est descendu là, c'est le même qui est monté pour couvrir tout ça, même sur la croix. Il aime. Il était comme l'agneau qui a été péché du monde. On peut dire qu'en tant qu'agneau, il est le Fils de Dieu. Oui. Mais en réalité, il est le souverain sacrificateur. Ce qui montre que, oh, la Bible dit que le souverain sacrificateur a traversé les cieux. Ce qui montre que c'est lui le véritable Dieu. Il a quitté l'éternité pour venir dans le temps. Alléluia. Il a traversé les cieux pour venir dans le monde. Acclame Jésus. Jésus. Alléluia. Nous avons la révélation. Ce n'est pas l'orgueil, mais c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, j'ai reçu cette révélation par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un autre mystère, mais c'est la grâce de Dieu qui nous a révélé tout. Et nous nous glorifions en Jésus. Parce que sans Jésus, la gloire est charnelle. Continuons. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite. Ah!
Assieds-toi à ma droite. En réalité, j'ai expliqué ça. Je ne vais pas encore revenir sur ça. Dans ma gloire. La, alléluia. On continue. Assieds-toi à ma droite. C'est pourquoi l'autre là, Étienne l'a vu à la droite de Dieu. En réalité, Étienne l'a vu comme Dieu. Étienne l'a vu. En réalité, la droite de Dieu, c'est le trône aussi de Dieu. Assieds-toi à ma droite, vous dites quoi? Dieu, esprit, est rendu visible, étant assis sur le trône, pour que l'on puisse. En réalité, Étienne avait vu Jésus-Christ sur le trône. Et non, Jésus-Christ à droite. Le trône, c'est la droite. Dieu, c'est lui-même la droite. Glorifiant Jésus-Christ. Et lorsque Dieu envoie son Fils, en réalité, c'est la droite de Dieu qui se manifeste pour le salut des hommes. Jean 3, verset 16. Oui. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Comment il a fait de ses ennemis son marche-pied? Lorsqu'il a accepté Dieu lui-même, le corps spirituel s'est humilié lui-même en devenant un corps physique. Et Dieu, l'esprit, étant invisible, s'est manifesté dans la chair. Et la Bible dit dans Isaïe 53 qu'il a été humilié, frappé, torturé, délaissé, traité comme un meurtrier. Il allait à la croix pour faire quoi? L'agneau de Dieu qui a le péché du monde a été frappé. Et à la croix, par le triomphe de la croix, en étant étant donné qu'il s'est humilié lui-même, à la croix, il a renversé les autorités. Colossiens 2, verset 14 à 15. Il a effacé l'âge de l'ordonnance pour condamner. Il a détruit les autorités. Les princes de ce monde, il les a dépouillés en triomphant d'elle par là. Et en faisant cela, il fait quoi? Il dominait sur. Il dominait sur, en recevant le nom au-dessus de tout nom. En étant à la croix, en réalité, son pied est en train de terrasser le serpent ancien. Parce que la prophétie disait quoi? Dieu disait quoi? Celle-ci te brise et te brisera la tête et toi tu mangeras le talon. Alléluia. À la croix, Jésus-Christ est élevé sur le serpent. Et par la croix, il brisait la tête du serpent. Et Dieu l'éleva à la position élevée. Le Fils de Dieu, c'est Dieu qui opère dans le temps. Gloire à Dieu. Continuons. Donc, les dominations sont devenues son marche-pied. Satan et les ténèbres sont devenues son marche-pied. Parce que il doit terrasser le serpent. Et le serpent l'a mordu la tête à la croix. Mais la morsure en réalité, c'était l'œuvre de la croix. C'était en réalité l'acte par lequel Dieu triompha de lui, parce que la croix était un mystère caché. Et la croix, c'est pas la croix que Dieu a cloué Satan. Dieu a écrasé la tête du serpent. Pour toujours. Donc c'est le dernier verset. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à la parole en chair. Alléluia. Gloire à la parole engendrée qui Alléluia. Était un corps invisible, un corps spirituel. Alléluia. Gloire à la parole qui s'est manifestée en chair. Alléluia. Étant visible pour le salut des hommes. Gloire au Saint-Esprit qui est Jésus qui vit aujourd'hui en nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous sommes dans notre méditation. Nous devons maintenant lire j'aimerais que nous lisions d'abord Esaïe 45, le verset 18. Esaïe 45, le verset 18. Pour confirmer tout ce que nous avons dit. Gloire à Jésus. Esaïe 45, le verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Esaïe 45, verset 18. Nous allons relire encore pour analyser chaque parole. Esaïe 45, verset 18. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Attends, on reprend. Esaïe 45, verset 18. Hein? Car ainsi parle l'Éternel. Qui parle ici? L'Éternel. L'Éternel est en train de parler ici. Oui.
le créateur des cieux. Qui est en train de parler? L'Éternel. Oui. Et la Bible dit que l'Éternel, c'est lui le créateur des cieux. Or, nous, on sait que c'est Jésus-Christ, la parole, qui a créé toutes choses, qui a créé les cieux et la terre. Et rien n'a été fondé sans lui. C'est lui le Seigneur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu éternel dans le visible, qui a tout créé au temps de la création, au commencement. Le seul Dieu qui a formé la terre. Jésus-Christ est le seul Dieu. Dieu. Qui l'a faite et qui l'a affermie. Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Oh, tout est clair. Celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Oui. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Il n'y a point d'autre. C'est-à-dire, il y a un seul Éternel. Celui. La Bible n'a pas dit ce don. Hein. On dit que deux, trois. Celui dont, donc les trois, ce n'est pas trois personnes qui sont chacun éternel, chacune éternelle. Le seul Dieu éternel. Alléluia. Le seul Dieu qui est Jésus-Christ est éternel. Et c'est lui, celui dont, celui qui a, c'est Jésus-Christ. Celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous venons de découvrir ce verset. Oui. Ésaïe 44, verset 24. Voilà, Ésaïe 44, verset 24. Yeah. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 44, verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Qui a fait toutes choses? La parole. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a tout accompli. Seul j'ai déployé les cieux. Qui a déployé les cieux? L'Éternel, c'est Jésus-Christ. Qui a étendu la terre? Jésus-Christ. Car Hébreu l'a dit, tu as étendu la terre. Tu as formé la terre. Tu as fondé la terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Maintenant, nous allons directement dans Hébreu 7. Verset 1 à 3, et nous allons quitter Bruxelles, verset 1 à 3. En même temps, nous allons tomber sur 1 Corinthiens 15, verset 28 à 20. En tout cas, on va parcourir. C'est là le dernier verset que nous allons parcourir pour finir cette deuxième partie de l'enseignement sur le mystère caché depuis le temps. Acclamons encore Jésus. Cette deuxième partie est encore allée plus en profondeur que la première partie. Et après cette partie, nous allons aborder l'enseignement sur la Trinité. C'est-à-dire, nous allons dénoncer la fausse doctrine de la Trinité. Pas aujourd'hui, une fois. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons décortiquer pour dénoncer la fausse doctrine de la Trinité avec des versets bibliques à l'appui. Donc, à l'évangélisation, tu n'auras plus au manque de versets. C'est-à-dire, lorsque les Trinités sont devant toi, ils vont te fuir. Alléluia. Mais nous, on ne veut pas les faire fuir. Nous, les gagner. On veut les gagner. Alléluia. Mais la parole est une épée à double tranchant. Et s'ils ne sont pas brisés, en réalité, ces paroles vont les faire fuir. Mais nous, nous allons prier pour qu'ils soient brisés et puissent croire à la vérité qui est dans la parole, le mystère caché de tout temps. Hébreux 1, 7, verset 1 à 3. Hébreux 7, 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Nous avons dit que celui qui avait apparu à Abraham, d'abord, ce n'est pas Dieu directement en chair. C'était un homme qui était à l'image de ce Dieu. Mais il avait tous les attributs qu'on peut attribuer à Jésus-Christ. C'est pourquoi cette révélation nous montre qu'en réalité, c'était Jésus-Christ qui est ce Melchisédek. Mais qui est révélé, qui a traversé les cieux au temps de la grâce pour venir nous sauver. Acclame encore Jésus. Gloire à Jésus. Oui. D'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem. Roi de Salem. Roi de Salem. Alléluia. Oui. C'est-à-dire la paix. Roi de paix. Jésus-Christ est la paix. Le prince de paix. Alléluia. Oh, le prince, en réalité, c'est le roi.
Oui, c'est ça. Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Oui. Qui est son père? Qui est son père? Sans mère, sans généalogie. Mais, alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un être physique aujourd'hui sur terre, un être humain qui n'a pas de père? Non. Qui n'a pas de mère? Non. Mais qui n'a ni père ni mère? Jésus. Et Jésus qui c'est qui? Dieu. Donc Dieu n'a ni père ni mère. En réalité, c'est Jésus-Christ. Celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité. Or, celui dont l'origine remonte au jour de l'éternité, est-ce qu'il a du père? Non. Est-ce qu'il a du mère? Non. C'est la même manière que Jésus-Christ est à l'image du Messie, lui qui n'a pas de père ni de mère, dans l'éternité, dans sa nature d'éternité. Or, lorsqu'il était enfant, selon le livre de Ésaïe 9:5, un enfant nous est né, il a du père qui est Marie, oui. De mère. Joseph. Non, le père qui est Joseph. Et de mère Marie, ça c'est Jésus-Christ, or l'enfant qui était né, mais le Fils de Dieu, il n'a pas de père dans, comme la Trinité le pense, mais c'est deux dispensations, le Père est l'Éternel, Dieu dans la chair est le Fils de Dieu dans le temps. Donc dans cet ordre de dispensation, on peut dire qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, mais pas de manière géniale. Biologique ou physique. C'est pourquoi ça contredit les trinitaires et ceux qui nient la divinité de Jésus. Et quand vous lisez bien le livre de Jean 14, verset 28, la Bible dit que le Père est plus grand que le Fils. Et la Trinité, tu sais, verset 28, dit, mais le Père est plus grand que le Fils. Donc le Fils n'a pas, le Père n'a pas que le Père, non. Que le Père est plus âgé que le Fils. Non, non. Le Père est plus grand que le Fils signifie. L'éternité est plus grand que le temps. L'esprit est plus grand que le corps. La pensée était plus élargie dans l'invisible. Or, la parole accomplit les choses visibles. C'est tellement clair. Ou bien, tellement clair. Continuons. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Alléluia. En réalité, Jésus-Christ dans son éternité, lui, qui est l'origine. Lui dont l'origine remonte aux temps anciens et dans l'éternité, au jour de l'éternité, en réalité, il n'a ni de commencement ni de fin. C'est-à-dire, c'est pourquoi on dit l'éternel. Est-ce que l'éternel a de commencement ni de fin? Donc, Jésus-Christ qui est Dieu éternel n'a pas de père ni de mère, n'a pas de commencement ni de fin, selon sa nature éternelle. Mais quand est-ce qu'on parle de commencement et de fin? Il a de commencement et de fin lorsqu'il quitte son éternité et vient dans le. Et l'on parle de qui? De commencement et de fin. Le Fils de Dieu a un commencement et une fin. Là, on parle de l'œuvre de Dieu dans le temps, la dispensation du temps. Le temps de la création et tous les autres temps. L'Esprit, même qui a parlé au temps des prophéties, c'est l'Esprit du Christ, le Fils, mais il n'était pas encore manifesté en chair pour se révéler. Oui? Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu? En réalité, ce Dieu éternel qui n'a pas de commencement ni de fin, c'est rendu au Fils semblable au Fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Philippiens 2, lui qui est égal à Dieu, c'est lui qui est dans sa dimension divine, s'est humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. C'est un Fils de Dieu dans la chair, sur la terre. Mais or, il est le Fils de Dieu, Dieu en chair. Mais Dieu qui est quitté l'invisibilité est venu dans la visibilité. C'est tellement clair. Oui. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ah, c'est à perpétuité. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire l'éternité. Il n'y a plus de. C'est pour les siècles des siècles. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le premier et le dernier. La Bible dit encore qu'il est celui qui était, qui est et qui vient. Or, la Bible dit, quand on dit le premier et le dernier, cela symbolise ça, son œuvre dans le temps. Allons-y dans Apocalypse 1, verset 7, pour voir comment il est le Fils de Dieu, celui qui a un commencement et une fin. Apocalypse 1, verset. Non, 8. Gloire à Jésus, non, ce n'est pas ce que je voulais. Apocalypse 1, le verset, je vais. Le verset.
acclame Jésus. C'est dans Apocalypse 1, ce que je veux. Ça dit quoi? Nous avons lu le premier, le dernier. Nous avons même lu ça hier. Voilà, 17. 17. Alléluia. La parole de Dieu, esprit et vie. Apocalypse 1, 17. Oui? Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. » Oui? J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans le verset 17, il dit qu'il est le premier et le dernier. Et le dernier. Or, nous savons clairement, dans Ésaïe 41, le verset 4, Jésus-Christ est le premier et le dernier. Ésaïe 44, le verset 6, il est aussi le premier et le dernier. Or, c'était l'Éternel qui parlait dans Ésaïe 44, verset 6. Donc, l'Éternel est le premier et le dernier. Cela veut dire que Jésus-Christ est le premier et le dernier dans l'œuvre du temps. Alléluia. Il est l'extrémité, il est l'éternité. Dans il est qui de l'éternité à l'éternité. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous avons lu, et voilà, nous avons bien expliqué Hébreux 7. Hein. Oui. Nous avons expliqué que la Bible dit que c'est lui, celui qui n'a pas de commencement ni de fin, qui n'a ni de père ni de fils, c'est lui qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc ça montre que l'éternité est dans le temps et œuvre dans le temps de la grâce pour le salut des hommes. Alléluia. Amen. Maintenant, allons-y dans 1 Corinthiens 15, le verset 28. Ça va donner niveau de l'enseignement. Oui. 1 Corinthiens 15, 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Gloire à Jésus. Alléluia. Lisez d'abord le verset 24. 1 Corinthiens 15, verset 24. On avait travaillé sur ça. 1 Corinthiens 15, 24. Oui. Gloire ensuite viendra la fin. Ensuite viendra la fin. On dit que Jésus-Christ est le commencement et la fin. C'est-à-dire dans la dispensation du temps. Parce que au commencement, la parole de Dieu, c'était là qui a engendré. Celui qui est le commencement doit avoir une heure. C'est fin. Et la Bible dit à la fin quoi? Quand il remettra le royaume. C'est à la fin de la dispensation du temps. Et non la fin de la dispensation de la grâce. Parce que la dispensation du temps est plus élargie que la dispensation de la grâce. Parce que Jésus-Christ, le salut de Dieu sur la terre, était la dispensation de la grâce. Après, il y a 7 ans qui consistent encore au temps de la dispensation. Qui font, en réalité, les 7 ans après l'enlèvement de l'Église, qui est l'enlèvement marque la fin de la dispensation de la grâce. Après ça, les 7 ans à suivre sont aussi dans la dispensation du temps. Ça montre que Jésus-Christ était encore en train de régner. Le Fils règne encore. En réalité, la Bible dit que le Fils règnera jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Ce qui veut dire que à l'enlèvement, il y aura, même à la croix, il y avait un ennemi qui était mis sous ses pieds. On a vu la domination. La mort même était sous ses pieds. Mais, à l'enlèvement de l'Église, nous serons tous enlevés. Mais, il y aura encore 7 ans. Or, dans les 7 ans, Jésus-Christ sera dans les cieux avec nous, n'est-ce pas? Oui. Pendant 7 ans. Donc on compte encore des jours. Donc ce n'était pas encore l'éternité. Donc à l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas nous n'arrivons pas directement dans l'éternité. Non. À l'enlèvement de l'Église, nous irons au ciel, dans la gloire, c'est-à-dire la glorification. Mais l'éternité sera à la fin de tout le parcours de Dieu dans l'ère du temps. Dieu va œuvrer dans le temps jusqu'à détruire le dernier ennemi. Qui est le dernier ennemi? La mort. La seconde mort. La mort, le séjour des morts sera le dernier ennemi. Le diable viendra. Le diable aussi sera détruit. Jeté pour l'éternité. Dans le lac du feu. Mais le dernier, c'est l'enfer, le séjour des morts. Donc, les 7 ans sont encore dans la dispensation du temps. C'est quoi il dit que la dispensation du temps est l'œuvre de Dieu par le Fils qui est Jésus-Christ.
Or après la dispensation du temps de la grâce, qui est une partie de la dispensation du temps, il y aura encore 7 ans. Et après les 7 ans, nous ceux qui sommes enlevés pour 7 ans avec Jésus-Christ dans le ciel, on va encore revenir. Or s'il était l'éternité, on ne va plus revenir. Donc nous serons encore dans la gloire, mais pas encore dans l'éternité. Mais celui qui entre dans la gloire pour les cieux ne ratera pas l'éternité. Non. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira sera sauvé. Ainsi, nous reviendrons avec Jésus-Christ sur terre. Jésus-Christ posera ses pieds sur la montagne. Des oliviers. Dans les oliviers pour détruire l'antéchrist, le faux prophète qui régneront pendant les années de tribulation. Parce qu'il y aura 3 années et demie en 2. Et il y aura un temps de séduction, un temps où l'antéchrist viendra dans le lieu saint, très saint du temple, pour se proclamer lui-même Dieu. Et lorsqu'il se proclamera lui-même Dieu, les enfants d'Israël, eux qui avaient rejeté d'abord Jésus-Christ le Sauveur, en attendant un autre Sauveur, penseront que l'antéchrist est lui le Sauveur qui viendra les sauver. En réalité, il est venu pour faire quoi? Pour pouvoir s'élever pour se proclamer lui-même Dieu, pour accomplir la volonté du diable et pour profaner le sanctuaire. Parce que en ce temps, le gouvernement mondial seront d'assaut pour prendre, seront en train de prendre d'assaut l'Israël. Parce que l'Israël sera disputé par les nations. Gloire à Jésus. Et c'est lorsqu'il se proclama lui-même Dieu, leurs yeux s'ouvriront. Parce qu'eux pensaient que leur sauveur viendra continuer le sacrifice perpétuel. Le sacrifice qui se fait dans le temple. Or, Jésus est le souverain sacrificateur qui a accompli un seul sacrifice. Or, eux veulent le sacrificateur. Eux veulent un sacrificateur qui viendra faire le sacrifice encore. Le sacrifice de la loi ordonné par Aaron et Moïse. C'est pourquoi lorsqu'il se proclamera lui-même Dieu, au grand jamais le sacrificateur ne peut pas se proclamer lui-même Dieu. Or, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, lui le même Dieu. Mais ils ont rejeté Jésus en attendant le sauveur. C'est là que leurs yeux vont tout prier et dire, ah, donc c'est l'antéchrist. Ah, l'antéchrist dont nous a parlé Daniel, dont nous a parlé Jésus dans Matthieu 24. Daniel 7 nous a parlé. Matthieu 24 nous a parlé. Donc c'est lui qui se proclame lui-même Dieu. Ah, les yeux s'ouvriront. La Bible dit que dans Apocalypse 1, verset 7, ils tourneront leur regard vers celui qui l'ont percé. Donc, il reviendra pour la bataille d'Amagidon pour pouvoir détruire l'antéchrist, le faux prophète, pour les jeter dans l'abîme. Alléluia. Les jeter pour les consommer pour toujours. Et le diable sera jeté dans la prison de 1000 ans. Ainsi, Jésus-Christ reviendra sur terre pour encore accomplir son règne dans les 1000 ans sur la terre. Et ce règne de 1000 ans est encore dans la dispensation du temps. Ce n'est pas la dispensation de la grâce. Parce que le temps de la grâce est en train de finir déjà. Et à l'enlèvement, nous marquerons, l'enlèvement marque la fin du temps de la grâce. Donc, Jésus-Christ fera encore 1000 ans sur terre. Or, le Fils de Dieu régnera toujours dans la dispensation du temps. C'est quoi? Même les 1000 ans seront encore le règne du Fils. Et après le règne du Fils, il y aura le Fils. Le diable viendra avec quoi? C'était la bataille de Gog et Magog. Et le Fils, Jésus-Christ, va vaincre qui? Le diable et son armée dans Gog et Magog. Alors, sachant qu'il y avait une première résurrection des morts en Christ pour l'enlèvement, et ceux qui étaient sur terre en Christ seront tous enlevés, il y aura une seconde résurrection des morts sans Christ qui iront plutôt dans le lac de feu éternel. Tous les morts seront ressuscités, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation. C'est ce que dit Daniel 12, verset 1 à 2 ou à 3. Alléluia. Donc, à la fin du règne du millénium, et à la fin, il détruira le dernier ennemi, qui est la seconde mort. C'est-à-dire la mort. Non, ce n'est pas la seconde mort. Il s'agit du séjour des morts. Le séjour des morts, c'est le dernier ennemi. Parce que le séjour des morts accueillera plutôt les morts. Or, c'est à cause du péché qu'il y a le séjour des morts. C'est quoi la Bible dit? Tous sont péchés, ils sont pris de la gloire de Dieu. Et le salut du péché, c'est la mort. Mais à cause de Christ, les morts en Christ qui sont dans le séjour des morts quitteront. Et seront enlevés. Et ceux qui sont sur terre seront enlevés. Et ceux qui sont encore restés dans le séjour de mort, par le séjour de mort, accueillent tous les morts sans Christ ou avec Christ.
Mais le ciel des morts n'est pas le lieu où nous devons demeurer pour l'éternité. C'est pourquoi nous devons quitter le ciel des morts si nous sommes morts en Christ, avant son avènement. Mais si nous sommes en vie, nous serons enlevés avec lui. D'abord, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement et nous allons les suivre. Et à la dernière résurrection, les morts sans Christ vont être ressuscités pour l'ignominie, la mort éternelle. Et ceux qui étaient enlevés seront avec Jésus pour pouvoir condamner ceux qui seront ressuscités avec un corps non glorieux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là le dernier ennemi qui est le souffle des morts. La mort, l'enfer, la mort seront jetés aussi dans le lac du feu éternel. Continuons. C'est pourquoi il dit à la fin, oui, 24. Ensuite, vers la fin. Vers la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu Père. En réalité, la dispensation du temps va finir d'opérer. Parce que Jésus-Christ, le Fils, va régner pendant le millénium. Et après le millénium, on ne parlera plus du règne du Fils. Oh, le règne du Fils, la dispensation du temps. C'est pour la Bible dit, le Fils remettra le royaume à Dieu le Père. Ce n'est pas deux personnes où le Fils va disparaître et donner le royaume à Dieu le Père. Non, ce n'est pas deux personnes. En réalité, Dieu va finir d'opérer dans le temps. Et l'on parlera de la dispensation de l'éternité. Ça dit, nous irons dans l'éternité avec Jésus-Christ. C'est ça, on parle du sabbat, du repos éternel. Oui? Après avoir détruit toute domination, toute autorité. Après avoir détruit toute domination, il a détruit toute domination à la croix. Toute autorité, il les a détruits aussi en triomphant d'elle à la croix. Toute puissance, oui. Même toute puissance, la puissance des ténèbres, celui qui a la puissance du grand, l'impie aussi sera détruit. Le faux prophète. Et l'antichrist sera aussi détruit, jeté pour toujours. Oui. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il règne. Il faut qu'il règne. Même les 7 ans, il règnera avec nous dans les cieux. Il quittera là-bas et nous serons sur la terre, régner pendant 1000 ans sur la terre. Et après cela, nous serons la fin des 1000 ans sera la fin. Mais ce ne sera pas toujours la fin. Pourquoi? Il doit détruire le dernier ennemi. Mais nous savons que la période des 1000 ans marque la fin. De l'œuvre du temps. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, opérant jusqu'à ce niveau des 1000 ans, à la fin. Mais tant qu'il ne détruit pas, il ne peut pas entrer dans son repos éternel, dans son éternité. C'est pourquoi il doit détruire il va mettre le diable, va l'enlever, le mettre dans le feu éternel, va condamner ceux qui sont morts sans Christ dans le feu éternel et jeter la mort. On ne parlera plus de mort. La mort disparaîtra et l'on parlera de l'éternité. Et nous sommes en repos avec Jésus-Christ pour l'éternité. C'est de ce repos que parle Hébreux 4. Nous avons un repos, peuple de Dieu, il nous a réservé un repos du sabbat. Et c'est ce jour nouveau fixé. Oh, ce jour nouveau, c'est la vie éternelle. Le repos pour toujours. Oui? Le dernier ennemi qui sera détruit. Le dernier ennemi qui sera détruit. C'est la mort. Oh, c'est la mort. Parce que la mort. Le péché a entraîné la mort et la mort a entraîné le séjour des morts. Or, si tous les morts quittent le séjour des morts, on ne parlera plus de séjour des morts. Le séjour des morts sera aussi jeté parce que on ne parlera plus de vie sur terre physique, mais de vie éternelle ou de mort éternelle. Parce que nous, les croyants enlevés, nous serons avec lui pour vivre éternellement avec lui. C'est pourquoi celui qui est enlevé, il a déjà la vie éternelle. Sachez ça. Mais dans la dispensation et dans le processus méthodologique de Dieu, c'est que nous entrons dans la gloire. Nous devons être glorifiés avec lui afin d'entrer dans l'éternité. Et c'est après, il faut que le dernier ennemi soit terrassé, détruit, pour que le Fils, le règne du Fils en cesse, afin que l'on parle du règne futur de l'éternel. Parce que l'éternel était. Jésus-Christ est dans son éternité, mais il régnera après avoir détruit. Mais actuellement, nous parlons du règne du Fils dans la dispensation de la grâce. C'est pourquoi le Saint-Esprit est l'esprit moteur de la dispensation de la grâce. Gloire à Jésus. Voyez. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. En réalité, Dieu a mis. C'est le verset quoi?
Verset 7. Dieu a mis quoi sous ses pieds? Reprends. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. On a dit que toute chose subside dans le Fils qui est Jésus-Christ, le Dieu visible. Elle a même dit que Dieu a mis tout sous ses pieds. C'est-à-dire, il a reçu le nom de Dieu sur tout nom. Et là, tout. C'est-à-dire, la Bible dit, celui qui. La Bible dit dans Luc 10, verset 18, que. Rappelez-moi ce passage. Il dit, vous avez reçu l'autorité de marcher sur les scorpions. En réalité, Jésus-Christ est celui qui a d'abord triomphé d'eux, avant que nous le triomphions. Et Dieu a mis tout sous ses pieds. C'est-à-dire, le Fils a reçu l'autorité de régner. Jusqu'à la fin de la dispensation, c'est-à-dire, Dieu a tout mis à la parole de dominer, de régner jusqu'au temps de la fin de sa dispensation, les mémas. Donc, l'enlèvement n'est pas la fin du règne du temps. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Mais, oui? Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, oui? Il est évident que celui qui lui a soumis tout chose. Lorsque tout a été soumis au temps. Celui qui a soumis toutes choses au temps, l'éternité acceptée. Parce que le temps finira son œuvre et le Fils qui est en réalité Dieu, éternel, qui a acquis son éternité, rentrera dans son éternité. Oui. Et lorsque toutes choses à lui auront été soumises. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, toutes les œuvres du temps, tout auront été soumis au Fils, alors. Jésus le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a qui soumis, toutes choses au Fils. L'éternité. L'éternité qui a soumis toutes choses au temps. Et après cela, hein, le temps sera soumis à l'éternité. Ce qui veut dire que l'on ne parlera plus de l'œuvre de Dieu dans le temps. Après, à la fin des milléniums et lorsqu'il détruira le dernier ennemi, la mort. Donc l'on parlera de repos éternel, de l'éternité, parce que le Fils qui est Dieu dans le temps, Dieu dans la chair, finira par régner et entrera dans son éternité. Il est actuellement dans son trône éternel. En réalité, il y a une notion du trône éternel. Il est dans le trône éternel. Vous comprenez? Mais il n'est pas encore entré dans le règne éternel. Ce n'est pas nous qui définissons, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous venez de voir que le Fils finira à la fin et remettra quoi? À Dieu le Père. Ce qui veut dire que le règne du Fils finira. Et on parlera du règne éternel, le même Dieu, deux dispensations, l'éternité, le temps, l'esprit, dans le corps, la pensée au Père par la parole sur la terre. Jusqu'à la fin, et il entrera dans son règne éternel. Gloire à Jésus, oui. Afin que Dieu soit tout en tous. Afin que Dieu soit tous en tous. En réalité, avant le temps, Dieu était tous en tous. Oui. Mais à cause de la création, Dieu a commencé par se dispenser dans le temps. Mais Dieu doit entrer dans son éternité. C'est pourquoi dans Ésaïe 9, le verset 5, la Bible dit que le Fils de Dieu, c'est lui le Dieu puissant. Et c'est lui qu'on appellera admirable conseiller. Pourquoi? On l'appellera admirable conseiller dans le temps de la grâce. On l'appellera prince de paix parce qu'il est le fils, le roi. Le roi. Alléluia. Et on l'appellera père éternel parce qu'après la dispensation du temps dont il est le fils qui a été donné au sort, il entrera dans son éternité. Alléluia, gloire à Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est ça le mystère caché de tout temps. Quelle est la délivrance ou la délivrance? Et oui, lis encore. On va encore. C'est tellement délicieux. Et lorsque toute chose. Non. Autrement, le verset 29. Non, 28. 28. La fin. Et lorsque toute chose lui aura été soumise. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tous. Dieu soit en tous, voilà. Le mystère était caché, n'est-ce pas? Dieu avait utilisé uniquement la parole, lui a donné toute la gloire, tout. Maintenant, ce ne sera pas une partie de Dieu qui opérera, ce sera Dieu éternel. Et en ce moment, quand Dieu sera dans son éternité, nous disparaîtrons du temps. Parce que l'éternité était venue dans le temps afin d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous, en croyant à Jésus-Christ, nous croyons à l'œuvre de Dieu dans le temps. Parce qu'il dit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en Jésus. Après avoir cru en Jésus, nous irons dans l'éternité. Parce que nous avons reçu la pensée de l'éternité. Et nous avons vécu dans le temps, en croyant à Dieu éternel manifesté dans le temps. Et quand nous croyons à lui, nous avons l'image du Fils qui nous permet d'avoir la vie éternelle qui est la gloire de Dieu.
Et cette vie éternelle sera, après que Jésus-Christ ait détruit son dernier ennemi par le règne du temps, et il entrera dans son éternité. C'est pourquoi nous lisons le dernier, l'avant-dernier verset, ou bien nous lisons plutôt Jean 14, verset 8, pour comprendre ce mystère, la fin de ce mystère. Acclamons Jésus-Christ. Jean 14, verset 8. Jean 14, verset 8. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Oui. Car le Père est plus grand que moi. Je vais au Père. Père. C'est-à-dire, c'est pas, il ne veut pas vers le Père. Il retourne à son éternité. Il va à son trône éternel. Or, à la fin de l'ère du temps, la disparition du temps, il entrera dans son éternité. C'est pourquoi nous parlons de deux grandes dispensations, l'éternité et le temps. L'éternité retournera au temps. Et nous qui croyons au temps, qui est l'œuvre de l'éternité dans le temps, nous serons aussi avec l'éternité après avoir reçu la nature du Fils nous permettant d'avoir l'éternité. C'est pourquoi il dit, croyez en Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Acclamons Jésus-Christ. Jésus. Alléluia. Père de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en effet à la fin de notre enseignement, de la partie 2 du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. À savoir, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quelle est cette gloire? La glorification dans les cieux et la vie éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Si vous avez des questions, notre numéro s'affiche sur l'écran et vous allez nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.